Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Book of Hours. Et salut Morphée, j'espère que ça va très bien de mon côté, c'est un petit week-end après une grosse semaine. Je démarre le live un petit peu tard mais je suis pressé d'avancer donc j'en profite. Donc on était en plein milieu de journée, on a un petit peu joué avec Chobiti en off pour préparer la journée d'après, donc on a pas mal de livres à rechercher ici, avec des scores tout à fait atteignables. Tu rentres de vacances donc que du bonheur, ouais t'as raison, les vacances c'est tellement surfait, ça fait tellement plaisir quand on vient, je suis bien d'accord avec toi. On m'a demandé dans les commentaires de vous parler un petit peu du lore, de savoir où on en était. Donc, alors, le lore dans Book of Hours est assez simple, hein. On est un bibliothécaire qui a été envoyé pour rouvrir Hush House, donc cette maison-là, qui a été une abbaye, un château, une bibliothèque, enfin tout plein de trucs, et qui a été abandonné il y a quelques années suite à soi-disant un incendie, mais il y a très peu de traces d'incendie, donc on se demande si on nous a pas raconté de la merde. Et en fait, en gros... quels que soient les... Il y a plusieurs lores qu'on peut choisir, qui sont choisis en fait au début quand on choisit notre tout premier aspect, là, quand on est sur la plage. Et nous, on est un archéologiste qui a, apparemment a fait des choses qu'il aimerait bien qu'ils soient oubliées. Et en fait, notre but est d'ouvrir petit à petit chaque salle. Donc pour l'instant, on avance tranquillement dans Hush House. J'aimerais bien essayer de terminer cette partie-là, terminer la tour de l'horloge et puis cette dernière pièce-là. Et salut Gaelden, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Malgré les jeux que tu testes qui te dérangent un peu. Je ne lancerai pas le débat. Et du coup, on en est là pour le moment. On est censé, en fait, dans l'histoire, écrire notre histoire dans notre grimoire. Comme c'est marqué ici, en tant qu'archéologiste, on est venu jusqu'ici un peu s'enterrer en espérant pouvoir écrire une histoire qui ne prendrait pas en compte nos crimes. Mais on peut, pour terminer le jeu, on peut écrire n'importe quelle histoire dedans, il faut qu'on recorde des histories tout simplement. Et pour record des histories, il faut avoir une encre de pouvoir pour écrire dans ce livre-là particulièrement. Et a priori, un indice quand on a ce qu'il faut, qu'on met des trucs dedans, pour dire qu'il faut arriver à au moins 20 de skills pour pouvoir le réussir. Donc du coup, pour l'instant, on n'y est pas encore. Il y a également quelque chose qui dit que voilà. Alors bah tiens, j'avais pas vu, mais ici, c'est plutôt là. Ça, c'est le symbole de la scolécosophie. Ici, on nous dit que pour ce truc-là, on devrait commencer avec la scolécolosophie. Et en gros, on a ouvert une tombe et découvert trop tard que c'était une prison. La peste qu'on a relâchée est maintenant ce qui assombrit ma vie, ou peut-être ce qui en fait son reflet. Ok, donc en gros, il a ouvert une tombe et il a libéré une saloperie sur le monde. Sympathique. Dans Hush House, je ne peux blesser personne, peut-être que je peux même m'amender. Ok, donc il est venu s'enterrer pour oublier ça. Et malheureusement, on n'a pas encore les 20 de skills nécessaires. Petit à petit, on va peut-être pas tarder à y arriver parce qu'on a quand même des compétences qui commencent à être pas mal améliorées, des skills assez avancés. Donc on va peut-être pouvoir se tenter à un moment d'essayer de commencer à écrire l'histoire dans notre livre, mais pas encore. Bah écoute, ça va bien nous, Gaelden. Enfin, Chobiti se lève, donc elle n'est pas là, elle prend son petit déj. Mais sinon ça va bien. Donc voilà un petit peu pour le lore et où on en est dans l'histoire pour le moment. Comme vous voyez, on a ouvert grossièrement peut-être la moitié de Hush House, mais il nous reste le plus difficile puisque maintenant on est sur des scores, alors là c'est du 9, mais on commence à avoir des scores à 10, 11 pour progresser, et c'est pas... Il faut qu'on améliore nos compétences pour pouvoir l'avoir, quoi. Pour pouvoir l'atteindre. Donc du coup, on avait une leçon à apprendre. Je crois que cette leçon, on la connaît pas. Drum and Dance encore. Non. Donc on va pouvoir l'apprendre de base. Et j'ai mis à reposer à la taverne un health pour pouvoir apprendre pour pouvoir direct profiter du souvenir qu'on a là et apprendre le truc suivant direct. avant la fin de la nuit. Ça s'est bien ouvert, ça fait plusieurs semaines que t'étais pas passé. Ouais, on avance bien, ouais, mine de rien. Alors on va se calmer sur la vitesse par contre. On avance bien, on avance bien. Là l'objectif à moyen terme c'est d'essayer de terminer cette zone là qui est des scores à 11 mais sur des skills que nos personnages ont, que les personnages de base ont, donc c'est quand même faisable. C'est atteignable on va dire en forçant un peu. Le nombre de cartes qu'il y a au centre c'est pas un peu le bordel. Tous les skills là on pourrait dire que c'est un peu le bordel ouais mais ils sont tous utiles, ils peuvent permettre de se crafter différents trucs. Et en vrai, globalement, ceux dont on sert le plus, c'est ceux qui sont haut niveau pour nos recherches. Les plus bas niveaux, pour le moment, sont moins utiles. Faut qu'on arrive à les améliorer. Et comme on en a discuté déjà, hein, alors ça c'est fait, excusez-moi, hop. Il y a techniquement possibilité, là par exemple, Drum and Dance, j'aurais pu ne pas la prendre. Comme il est de type Earth and Nectar, j'aurais pu m'en servir par exemple pour améliorer herbe en infusion parce que c'est il faut juste que la leçon matche les aspects. Donc en fait on a possibilité si on le souhaite avec les leçons qu'on débloque de booster nos compétences existantes en laissant de côté le fait d'apprendre des nouvelles. Il y a également la possibilité de se dire celle qu'on a déjà mis dans notre arbre de sagesse techniquement, genre par exemple celle-là là. Très bon exemple, hein. La première qu'on a eue, on l'a montée level 6, mais on l'avait mis dans l'arbre de sagesse au level 1. Ce qui fait que du coup, bah techniquement ça sert plus à rien de le monter, il vaudrait mieux qu'on monte d'autres compétences qui sont pas dans l'arbre pour pouvoir avancer dans l'arbre. Et donc j'aurais pu laisser cette compétence à un niveau très bas, niveau 1 ou 2 par exemple, je sais plus combien elle était quand on l'a mis, mais et se servir des leçons que j'ai trouvées de ce type pour améliorer d'autres compétences qui me permettraient d'aller là. C'est deux stratégies qui peuvent marcher, hein. Dans tous les cas, on est obligé de monter des compétences parce qu'il nous faut les skills pour pouvoir découvrir des livres plus forts, ouvrir des plus grosses salles, etc. Mais le choix de ce qu'on améliore, ça fait partie de la stratégie du jeu. Comme c'est notre première partie avec Chobiti, on en a parlé et on a décidé qu'on améliorerait les compétences avec les trucs qu'on trouve. Il y aura éventuellement des nuances si jamais bon, on voit que le jeu n'est pas finissable, mais pour le moment on essaie d'en découvrir le plus possible, et quand on en découvre une nouvelle, comme là Drum and Dance par exemple, on l'améliore. Et donc je vais utiliser ça pour améliorer cette leçon. Donc là il me faut juste le else, qui en est où? Qui a 25 secondes, on va enlever la pause. Et salut Khazar, c'est pas Gecko là sur le live, c'est le signe. J'espère que tu vas bien. Gecko, il live plutôt le soir. Et c'est pour ça que tu faisais ha ha ha, et bah écoute, la blague à portée. Allez, on va largement finir avant la fin de la nuit, c'est parfait, hop. Alors du coup, comme j'ai ouvert, ça m'a fait sauter ça. Tac, on met Cheerful Ditty, on est d'accord qu'on peut pas mettre celui-là, non. Et on met notre else en pleine forme, et c'est parti. Ça prend que 30 secondes. Hein. Il y a Gecko dans le titre du stream. Ah merde, je me suis foiré dans le titre du stream. Ah oui, j'ai changé la description, mais pas le nom. Autant pour moi. Tu fais bien de me le dire. Hop là. Bien vu, Khazar. Alors on commence à arriver un petit peu en dèche aussi de place dans notre bibliothèque de souvenirs. Il y a peut-être moyen qu'on doive évacuer les livres ici et les foutre ailleurs. Les entasser dans des coins, je sais pas où, là où on a des petites places à droite à gauche. Hop là, et on récupère Drum and Dance level 2. Alors Drum and Dance level 2, il est de type Bosque et Oromakistri. Je crois que de toute façon on n'a plus rien level 2. Hein. Non, tous les level 2 sont pleins. Quasi tous les level 3 sont pleins aussi, donc pour l'instant, tant qu'on ne débloque pas au moins un level 2, 3 ou 4, ça ne sert à rien d'aller voir. Alors ici on a des petits cailloux qu'on a trouvés sur la plage. On va voir si on peut pas les ranger le temps que la nuit passe. Ça commence à être bien plein. Je suis sûr, là, on peut gagner un peu de place. Voilà. Comme ça, on va pouvoir mettre notre quartz. Avec les autres quartz. Il sera content avec ses copains quartz. C'est là. Voilà. Donc demain, objectif, on génère plein de souvenirs pour ça. Là, on a un moon assez élevé. Le visuel de ce jeu te rappelle un autre jeu, mais tu ne sais plus quoi. Alors, c'est un jeu qui a été développé par les développeurs de Cultist Simulator, donc peut-être que les cartes te rappellent Cultist Simulator. Par contre, Cultist Simulator, point de vue graphisme de plateau, c'était pas du tout la même chose. Ok, on est le matin. Et il va nous falloir du souvenir en pagaille. Donc là, on a du Grail, du Forge, du Heart, du Moon et du Edge. Alors le Edge, on peut le faire sans rien. Le Moon, il va nous en falloir. Tous les autres, il va nous en falloir. Donc on va se commencer ça. Tac. Un souvenir de type Moon. Moon 2. On a Stolen Secret. Ça, c'est un Forge. Ce serait bien un Forge 2. Forge 2. Alors... avec quoi on peut lire? Avec un petit chapt. Tiens, on a pas mal des chapts. C'est parti. Donc le Forge, c'est fait. Il nous faudrait un Grail. Je crois qu'on en a par là, des Grails. Non, là, on a un Heart 2. C'est parti, on va lire un Heart 2. Un petit Tereb level 1 en avant. Et Grail. Et bienvenue sur la chaîne, Lanmar. Merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis quasiment sûr que j'ai du Grail 2 quelque part. J'ai pas du Grail 2 quelque part? Un petit Grail 1 au moins. Oups là, pardon. Misclick, c'est sur ça que je vais cliquer. Alors en vrai, je suis pas obligé de cliquer, je peux juste normalement, si j'ai rien de sectionné, pointer la petite étiquette là. Voilà, bah tiens, Grail 2, parfait. C'est parti pour un Grail 2 et on va le lire avec un. Ça c'est Grail et Heart. On va le lire avec un Chor en avant. C'est une école de magie aussi avec des salles. Ah, merde, truc university là. Comment tu dis, Chobiti? Spellcaster University. C'est ça, Spellcaster University. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Bon, là, on build pas, on découvre des trucs qui sont déjà préfaits, mais c'est vrai qu'il y a un côté, vu de côté et tout, à la Spellcaster University. Ouais. Un peu moins dynamique parce qu'il n'y a personne là. On est le seul péon dans tout le. Bâtiment. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais. Merci pour ce jeu. Les 2-3 jours sans cette vidéo ont mis en manque. Ah oui, bah c'est vrai que j'ai pas du tout pu liver cette semaine, donc j'avais du retard dans les vidéos. Il y a eu quelques jours sans. Bah écoute, comme ça tu passes en live. Bah par contre, ce sera de la VOD derrière sera la même. Donc on va générer nos petits souvenirs. Ok. On a des nuages. C'est un peu de la daube. Il n'y a pas de femme de ménage. La femme de ménage, on peut l'embaucher, mais uniquement pour ouvrir les pièces. Alors, j'ai mis pause parce que on vient de passer à Numa. Alors Numa, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la première fois qu'on a Numa dans le jeu, mais on s'est renseigné avec Chobiti parce que c'est un truc un peu particulier, un gameplay un peu particulier. En fait, c'est une saison qui ne dure qu'une seule journée. Et qui arrive au moins une fois toutes les 9 saisons. C'est-à-dire qu'en gros, il faut imaginer que les saisons, été, automne, hiver, printemps, c'est un deck. Donc il y a 8 saisons. Et dans ce deck de 8 saisons, on met une carte Numa. Et elle peut arriver n'importe quand. Dès qu'on la tire, c'est Numa. Donc il peut très bien ne jamais arriver en 4 ans, ou elle pourra très bien arriver demain, si on pourra très bien avoir un deuxième Nouma demain, si on retire Nouma direct dans le nouveau deck. Mais en gros, elle arrive forcément au moins tous les 9 trucs, tous les 9 saisons. Et elle a plein d'effets. Déjà, quand Nouma disparaît, toutes les leçons persistantes qu'on a, tous les souvenirs persistants qu'on a, ils disparaissent aussi. Ce qui veut dire qu'on ne va pas lire nos livres aujourd'hui. Je vais tout de suite aller les ranger. Parce que si on les lit aujourd'hui et qu'on n'est pas capable de traiter et d'apprendre toutes les leçons aujourd'hui, eh ben, elles vont disparaître à la fin de la journée. Donc on ne va pas lire de livres aujourd'hui, on va faire autre chose. Donc deuxième chose que fait Nouma, elle nous apporte un souvenir spécial à 5 de puissance. Et ça, ça va être l'occasion, puisque pour l'instant on est un peu trop faible, de démaudire un de nos livres là. Un de nos livres où pour démaudire, il faut qu'on soit capable d'atteindre 7 de Winter, mais sans skill, puisqu'il faut qu'on utilise un skill ici par exemple de désinfestation. Donc ça, ça va être un truc à faire. Également pendant Nouma, tous les bâtiments sont fermés avec des descriptions assez sympathiques sur certains. Là on est vraiment dans l'ambiance Lovecraft, je crois que le mieux c'est celui-là. C'est le feu du forgeron brûle toujours, mais à travers la fenêtre je vois une forme assez glauque et sans yeux qui travaille sur l'enclume. Il n'y a aucun signe de Denzil. Et je pense qu'il ne vaut mieux pas interrompre son visiteur. Nouma. La postière. La ligne télégraphique fait des étincelles. La poussière bouge dans tous les sens. De très loin, peut-être dans les collines derrière le village, j'entends la postière, la voix de la postière qui hurle des imprécations et des lamentations. Dans la langue corniche, je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y a aucun signe d'elle. Le recteur. Alors, mist, je crois que c'est pas poussière, c'est un genre de brouillard très épais. Le brouillard est épais, mais alors que je m'approche, je vois des lampes allumées dans le bureau du recteur. Cependant, je vois que les fenêtres sont complètement fermées. Et la lumière que je vois est juste une toute petite lueur. Ouais, c'est ça, brouillard ou brume, ouais. T'as dit que pendant Nouma, on perdait nos souvenirs? Oui, pendant Nouma, on perd nos souvenirs, je l'ai dit, ouais, tout à fait. Même les persistants. Bonjour le chat! Chobiti vous dit bonjour, vous avez dû l'entendre, normalement, j'ai vu la jauge de micro bouger. Alors, la porte est ouverte, le feu est froid. Les ombres aux tables sont calmes et silencieuses, habillées de fourrures et de plumes noires. La brume est entrée et se presse contre les murs. Un tambour fait entendre un rythme irrégulier quelque part à l'intérieur de la taverne. C'est sûr que ça fait pas plaisir. Je crois qu'en fait c'est eux les plus tranquilles, même si bon, maintenant les signes qui sont écrits là sont censés avoir changé et écrits dans un langage que personne ne connaît. Personne ne répond quand on frappe, et donc là on ne peut rien mettre du coup. Normalement, si je peux mettre des trucs, mais je pense que ça fait rien, donc je vais pas risquer de fatiguer. Je vais pas essayer de fatiguer. C'est le seul jour de l'année où ils sont en congé en fait, à Nouma. Et par en congé, j'entends probablement quelque part dans les bois en train de hurler à la lune sous une forme diverse et variée. Et on a également un événement spécial, c'est-à-dire que le visiteur qui va venir pour Nouma, puisqu'à chaque saison il y a un mec qui vient, c'est un événement. Normalement on a un événement qui nous sert et sur lequel on progresse. Là on avait déjà progressé sur 3 personnes par exemple. Et pour Nouma, on va avoir un incident spécifique à Nouma. Et du coup, bah, comme ils disent, hein, c'est pas comme le reste des saisons, hein, soit on n'a pas d'incident, on en tire un dans la pile, soit on trouve un visiteur qui va avec l'incident qu'on a déjà, soit on vire l'incident s'il n'y a plus rien à y faire. Pour l'instant, on n'en a pas, vu que c'est notre premier Nouma. Donc on va tirer un incident aléatoire. On n'a pas la main dessus, hein, comme dans Cultist Simulator, hein, quand il y a le petit aimant là, c'est que c'est le jeu qui se charge de tirer lui-même ou d'attirer lui-même la carte qu'il faut. Et il y a un troisième truc important dans Nouma. c'est que on a la possibilité pour les skills qu'on n'a pas attune, qu'on n'a pas commit dans l'arbre de sagesse, on peut les considérer. Et en fait, voilà, il nous dit, hein, il faut qu'on ajoute un élément of the soul et on a des actions spéciales dans Numa. Et en fait, ce que ça va faire, c'est qu'il va être décomposé en autant de souvenirs qu'on a utilisé pour le monter niveau 4, moins 1. Donc là, c'est 4, niveau 4, on doit donner 8 souvenirs, il va se décomposer en 8 souvenirs. Et en fait, c'est des leçons, c'est des souvenirs leçons qui permettent de monter n'importe quel skill. Pas 6 plutôt. Ou 6 peut-être, ouais. Oui, ça doit être 6. Parce que 1 pour 1, plus 2 pour 1, plus 3 pour 1. Du coup, c'est l'occasion normalement de pouvoir justement monter des skills de haut niveau. Donc on va tenter. Lui, il est intéressant, mais on aura peut-être l'occasion de le réapprendre. Et bon, le but c'est de tester. Donc on va lancer ça. On a toujours nos souvenirs qui sont en train d'être générés. Du coup, on ne peut pas les arrêter. Et vu qu'on ne peut pas utiliser la taverne pour se reposer, on est assez limité, hein. Alors là, on a tiré quoi? Ok, on est en train de tirer une carte. Qu'est-ce qui bouge dans la brume? Et on a tiré l'affaire des Midnight Wind, donc des jumelles de minuit. Ah, c'est celle qu'on voit là dans l'infirmerie. Celles qui étaient normales et puis qui deviennent des espèces de jumelles siamoises. Elles sont pas tout à fait normales. Elles sont moyennement normales. Je t'accorde qu'elles ont l'air moyennement normales sur le dessin. Mais bon, c'est un dessin. Bah, elles ont qu'un pied, elles ont 3 bras. Non, 4. 4 bras, ouais. Il y a une petite main derrière, là. Ouais. Alors, du coup... Donc, tant qu'on a cette carte, tous les visiteurs de Numa seront intéressés par la Moon. Donc ça, c'est comme les visiteurs classiques. Par contre... Ils seront plus intéressés par les histoires d'ombre, de substance, de révélation et d'obscurité. Ok. Alors, et Julian Cosley, qu'est-ce qu'il fait? Mage, Winterlong, Controversial Philosopher. Alors, Winterlong, je vois pas trop comment on pourrait traduire ça. Un philosophe controversé qui fait mage, mais mage dans le sens faux magicien, j'imagine. Est-ce que je sais s'il y aura du FR? Alors ça fait partie des langues sur lesquelles ils font des sondages pour savoir lesquelles ils intègrent. Mais pour le moment, c'est pas fait encore. Et Gaelden, il y a un DLC qui sort fin septembre là, pour ce jeu-là. Donc ils sont encore dessus. Et on a une discussion dans les commentaires, pas inintéressante, avec un viewer. Parce que le jeu a été développé en bonne partie avec l'aide de l'Union Européenne, avec un programme de l'Union Européenne. Qui permet de financer comme ça des jeux indés entre autres. Et sauf que du coup, c'était juste avant le Brexit, et en fait les mecs, les développeurs, c'est un studio londonien, et du coup ils ont profité du programme juste avant le Brexit. Et il n'y a pas de contrepartie en fait à développer, enfin à utiliser ce programme-là, du genre il faut le rendre disponible dans une des langues de au moins une ou plusieurs langues de l'Union Européenne, puisque maintenant que l'Angleterre a quitté l'Union Européenne, il n'y a plus aucun pays européen qui parle anglais. Du coup ça fait un peu chier de se dire c'était payé par l'Union Européenne et c'est en anglais quoi. Alors ça fait un peu chier, ça peut poser des questions. Mais ce programme-là n'apporte pas a priori de contrepartie, donc c'est comme ça. Et en plus, ils en ont profité juste avant le Brexit. Mais ils travaillent à essayer de le traduire toujours et à éventuellement ajouter des langues, donc notamment sur la discussion Steam. Bon, alors moi, je l'ai eu avec GOG, mais sur la discussion Steam, il y a des sondages en cours par les devs pour savoir quelle langue sera la plus intéressante, et le français est bien placé. Donc c'est pas impossible qu'ils sortent une mise à jour de français à un moment. Est-ce que ma partie continuera sur le nouveau DLC? Bah, je vais essayer l'Onmar, ouais. Je sais pas où j'en serai quand le DLC va sortir. Vu le tronche du jeu, je crois qu'il sort le 26 septembre. J'aurais probablement pas fini. Après, le 26 septembre, il y a aussi pas mal de trucs qui sortent. Il y a Frostpunk 2, il y a les nouveaux DLC de Rogue Trader, il y a les nouveaux DLC de Starfield, il y a Brichway. Alors, on est plusieurs sur la chaîne, donc je vais pas m'occuper de tout. mais il y aura probablement du taf, donc je verrai. Mais je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu, donc c'est pas impossible que je continue sur le DLC, ouais. Ou que je continue sur cette partie-là, et quand j'aurai bien avancé, on passera sur le DLC. En fait, le DLC, c'est du endgame. Il rajoute la possibilité de cuisiner, de faire vraiment des cuisines, et en fait d'inviter les différentes personnes qui viennent nous voir, là, de pouvoir les inviter en comité, c'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir une seule, on en a 4-5, on doit leur faire à manger, on doit les satisfaire, et ça nous permet d'avoir des bonus, de débloquer des nouvelles choses, qu'ils débattent entre eux, et donc du coup ils débloquent des aspects plus puissants, etc. Donc c'est quand même du endgame, donc je sais pas où est-ce que j'en serai à ce moment-là, mais on verra. Si je peux en profiter, ouais, je pense que je vous montrerai ça. Du coup, on a Julian Cozley. Alors, Julian Cozley, est-ce qu'il parle une langue qu'on connaît pas? Il comprend l'Erikapaen, ok. Ça, c'est quelqu'un qui est venu à Numa, très bien. Le grec, le latin. Il est intéressé par Matter of the Midnight Whites, très bien. Et donc, il parle une langue potentiellement qu'on pourrait apprendre. Donc, on a toujours le choix, comme pour toutes les personnes, hein. Soit on le paye pour qu'il nous apprenne sa langue, soit on discute avec lui de l'incident et on essaie de faire des choses avec. Et la langue, ça me dit rien, cette langue. Est-ce qu'on a des choses dans cette langue? Ça c'est quoi? Ipsos? Non, non. Ah, si, lui. On pourrait lire ce livre-là. An Elegant Language, ok. Est-ce qu'il y en a potentiellement plusieurs? Parce que du coup, comme c'est la première fois que je le vois, enfin que je vois un truc de Numa, j'ai pas forcément envie de perdre entre guillemets l'événement en discutant pas avec lui. Ouais, bon, ça nous permettrait de lire un livre. C'est pas la mort. On va plutôt parler avec lui de ça. Alors si je fais ça. Si Solomon est parti, si Solomon reste. Ok, donc lui, alors il connaissait façon de parler, parce que Solomon, si je ne m'abuse, non seulement il a vécu il y a des siècles, mais en plus il a mystérieusement disparu une nuit, c'était sa chambre là. Ok, et donc... Alors, on peut facilement parler à propos de la balance et de l'harmonie, mais on n'a pas le temps. Comme les autres mages le disent, quand quelque chose prend... et garder trop longtemps loin de son opposé. Ok, donc du coup, les visiteurs pourraient ouvrir les portes. Alors non, ils ont aucune compétence. En fait, ils sont interested in moon ou interested in winter ici, mais ils n'ont pas de compétence moon ou winter. C'est différent. En plus, pour ouvrir les portes, si je ne m'abuse, il faut avoir le skill assistance. Pour pouvoir se mettre ici, et les visiteurs l'ont pas. Alors du coup... Il y a toujours des trous dans ma compréhension. Pour essayer de les remplir tous, c'est ce... non, waouh, putain la vache, la formulation... Essayer de les remplir tous, c'est ce qui me permettra d'atteindre l'éternité. Mais je hante et je chasse les questions qui restent comme un fantôme chasse un bien-aimé. Ton bien-aimé, mais le 3 petits points. Alors du coup, il va falloir qu'on essaye de trouver la suite avec les livres qu'on a. Interested in Moon. Normalement, Moon, on en a pas mal, hein. Il y a moyen qu'on puisse trouver un truc qui match. Donc, quelque chose qui parlerait de fantôme et d'amour. Sachant que l'affaire, là, c'est plutôt orienté Midnight Wind. Ok, donc là, on va prendre un peu le temps. Alors ça, c'est que du 6, ça sert à rien. En plus, il faut un truc qui puisse lire, hein. Après, je peux essayer de lui mettre. Ouais, donc ça, c'est plutôt non, ça. Ça, c'est du 14. Ah oui, c'est le Chancel en Calyptra. Ouais. Ça, c'est du 6, c'est pas suffisant. Ça aussi. Pareil, c'est du 6, ça c'est du 4. Alors on a pas mal de moons, mais ils sont pas hyper forts, malheureusement. Ça c'est du winter, tout ça. Ouais. Non, 8 winter. 10 winter. Alors, je peux lui mettre n'importe quoi. Ouais, donc si je lui mets n'importe quoi, on a le truc comme quoi c'est pas bon. Alors, des prières adressées à Malakite. Alors, là, t'en dis quoi de ça? Non. T'en dis que rien. Tandis que tu t'en fous totalement. Alors non, quand je mets ça... Oui, ça... En fait, ça remet le texte d'origine. Donc si je mets un texte de type Moon, ça change, mais potentiellement, ça lui apprend rien. Je pense pas qu'on ait beaucoup de textes de type Moon en attente. Ils sont plutôt du côté de ceux qu'on peut lire. Alors, il y a le bouquin qui était dans la langue qu'il pouvait lire. Il est où? Il est là. Ouais, mais c'est du Hertz. Donc ça ne sert à rien. Ça c'est du Morse. Est-ce qu'il nous reste des livres dans l'observatoire? Il nous en reste un. Il y a un Edge. Et dans ceux que j'ai mis de côté, il y en a au moins un qui a 14 de Moon. C'est celui-là. Un manuel de poison. Ouais, je suis pas convaincu. J'ai l'impression qu'on n'a pas le livre qu'il souhaite, malheureusement. Et alors lui, on peut pas le mettre à dormir le temps qu'il attende, parce qu'il part à la fin de Numa, quoi qu'il arrive. Et ici, c'est du Edge. Okay. Bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas ce qu'il faut, malheureusement. Dans les livres qui sont maudits, t'as regardé ? Dans les livres qui sont maudits. C'est du Moss et c'est du Edge, donc non. Nana, on n'a rien. Et on a tout catalogué de toute façon, donc pour trouver d'autres livres et qu'on ouvre une salle, que par coup de bol elle ait des livres dedans et que par coup de bol soit un livre qui l'intéresse. Sachant qu'on ne peut embaucher personne à Numa, c'est mort, c'est mort. Donc tant pis, on lui filait un bouquin de type Moon et puis on va espérer que ça... Enfin, ça va nous donner un truc quand même, hein. Il va nous donner un peu de sous, mais... On va prendre ça, le truc avec la... Le truc avec la reine, là. Bon, bah, ça c'est fait. Alors, je voulais aussi, justement, quand on parle de livre maudit, profiter de ça. On peut démaudire un livre. Alors, lequel? Discipline of the Scare... ou Transformation and Liberation. On a Sharp, mais on n'a pas d'ici. C'est dans les deux cas un nouveau truc. Et ici... Il faudrait du Knock. Ça nous apprend Pétinant and Precursor. Alors ça, on l'a. Donc on pourrait renforcer cette leçon. Et là... Sacra Solis Invictis. On a aussi Sacra Solis Invictis. Mais du coup, ça il faut 7 de Heart et elle n'est pas de typeur. Donc on peut faire Knock ou Winter. Là, il nous faut du Knock. Du Knock qui parle d'une leçon qu'on a déjà, c'est pas inintéressant. Donc je pense qu'on va faire ça. On va prendre celui-là du coup. Est-ce qu'on a assez en oc? On a ça qui fait 2 plus 5, on sera à 7, c'est parfait. Il nous faut un bureau où on peut faire du noc par contre. Ici, excellent. Hop. Donc on mettrait ça, on mettrait ça. Et il nous faut un skill qui enlève la malédiction. C'est parti. Alors ça c'est corruption. C'est infestation, corruption. On en a, hein, je suis sûr qu'on en a. Voilà, curse. Je le mets. Et du coup, on peut s'occuper de le démaudir. C'est parti. Ok, pour l'instant, ça travaille bien. Je bois un coup. Moi. Alors, on n'a pas de temps à perdre un humain, hein, clairement. Oui, dehors, c'est un bout de cristal, hein, je l'ai trouvé. On s'en fiche. Ok, ça le remet level 1. Je pensais que ça le détruisait, mais non, ça le remet level 1. Et du coup, on a obtenu, bah voilà, 8. Donc c'est une leçon de Many Facets. Comme quoi, je sais pas compter. Et donc vous voyez, elle est de type absolument tout. Et elle va disparaître à la fin de la journée, donc il faut qu'on l'utilise un maximum. Du coup, on va vouloir monter des trucs. Il va nous falloir des souvenirs en plus pour monter des trucs. Hein. Oh, ça va être tendu. Parce qu'il va falloir, genre si je veux monter ça, je peux du coup utiliser cette leçon, mais il me faut 6 souvenirs quoi. Après, tu peux mettre... Après, je peux utiliser les leçons pour monter des souvenirs, hein. D'accord. C'est un peu abusé, mais... C'est un peu con, mais on pourrait. On a des souvenirs qui sont en train d'être générés. Mais du coup, on pourrait réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire. Par exemple, mettons qu'on voudrait progresser. On a dit que si on avançait dans Scolécosophie, on pouvait débloquer un truc assez avancé là. Donc il nous faudrait un skill level 4 et un skill level 5, de type comme ça. Donc il y a lui, qui est déjà à tune. Il y a lui, qui est pas à tune. Donc lui, on pourrait le monter level 4 assez facilement. Il nous faut des souvenirs de type Nock et Sky. Ça malheureusement ça marche pas. Donc il y a celui-là qu'on pourra monter level 4 assez facilement. Et quoi d'autre? Toi? Toi t'es de type Sky et Nock également. Sinon après, c'est du niveau 2, le niveau 3 on l'a déjà mis, donc pas de souci. Niveau 2 je crois qu'on l'a même déjà mis aussi. Donc après on part sur du niveau, hein. C'est pas hyper intéressant. Donc en gros on montrait ces deux là. On montrait ces deux là, donc il nous faudrait un max de souvenirs de type Nock, puisque c'est deux de type Nock. Et des compétences de type Nock et de type Sky. Alors en Nock, on n'a plus que Shaft, puisqu'on a utilisé les deux autres. Et en Sky, on n'a que Faust. Ok, donc dans tous les cas, on n'a que ces deux-là, donc on peut faire qu'une seule itération. Ah, c'est con ça. Ça, c'est con. Alors sachant qu'on peut mettre une leçon comme ça dans notre lit, hein, pour la garder pour la nuit. Donc on pourra éventuellement garder une jusqu'à demain. Mais il va falloir qu'on génère un max de souvenirs, qu'on se fasse une petite sieste probablement si on veut aller plus loin. Parce que du coup on doit monter un souvenir niveau 4, un souvenir niveau 5. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en Nock et en Scale? Forge de lanterne, Grail rose. On a un Bellingling Memory. Alors, je vais regarder. On va attendre les 20 secondes, on n'est pas à 20 secondes près, pour voir les souvenirs qu'on a et faire le point. Parce que là, on est sur le moment où il faut réfléchir pendant la partie, c'est un peu le bordel. Toc. Enfin, c'est le bordel, c'est pas le bordel, mais ça demande plus de cerveau que déjà habituellement, et c'est un jeu qui demande quand même pas mal de cerveau. Hein. Ok, on a nos souvenirs. Hop, on collecte. On collecte. Et on collecte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du Sky. Forge lanterne, ça nous servira à rien. On a déjà 2 Sky, ça c'est pas mal. Donc déjà, on pourrait commencer à travailler sur celle-là. Non, ça c'est pas de type Sky, on met une leçon, on met ça. Et il nous faut Knock ou Sky, donc on va garder le Knock pour l'autre. Je suis en train de me dire, ça c'est de type quoi? Scale. En scale, on a les 2 Ls, donc non, on va mettre, on va utiliser ça. On en utiliserait un ici, une leçon. C'est parti pour le level 4. Allez. Et du coup, il nous faut plein de souvenirs de type scale et de type knock. C'est parti. Là, on a un scale qu'on va lire avec. Pas les else, le chore, le chore. Donc un souvenir de type scale, là on a un knock, excellent. C'est au-dessus pour lire. Hop, donc on va lire avec metal, il nous servira pas. Ça nous en fait 2. Et il est level 3, donc il va nous en falloir 3 pour monter au level 4, et après 4 pour monter au level 5. C'est-à-dire qu'on peut en faire encore une paire. Hein. Ici, on a du Sky qu'on pourrait faire. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je fasse du Sky? C'est pas sûr. Hein. On va essayer de se concentrer sur le knock. Shapt et Else, on les garde de côté. On va mettre Fête ici. Parti. Quoi d'autre? Ça c'est Edge et Moon. Ça c'est Scale. Donc on va le mettre là. Et là on peut lire avec Whist. C'est parti. Bon, je génère un maximum de souvenirs, on fera le tri après. Hein. Et là, on a un knock également. On va utiliser notre dernier petit bureau. Et on va lire avec Swist. Ok, on a 60 secondes. Et on génère. Tu n'auras pas assez de soul pour produire tous ces souvenirs? Non, probablement pas. Après, je pourrais déjà lancer une petite sieste, là, par exemple. Plutôt avec un else, ouais, un else. Ça prend 1 minute 30, mais ça nous permettra de récupérer. Est-ce que j'ai un truc de prêt à boire? Tiens, là j'ai une tasse de tisane. Hop. Mais non, on n'a pas assez. Clairement, on n'a pas assez. Là, techniquement, je pourrais monter 8 skills, puisque cette leçon-là, on peut utiliser 8 fois. Bon, 7 si j'en garde une pour demain. Ce qui veut dire en moyenne 3 mémoires par, enfin 3 souvenirs par skill, donc on est sur du 21 souvenirs, c'est pas possible quoi. C'est absolument pas possible quoi. Ok, donc il s'en va, il nous a quand même donné un silver. Pas mal. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, si on avait eu le bon livre, je sais pas ce qu'il nous aurait donné du coup, mais. Alors. Ici, on a nettoyé la malédiction, c'est nickel. Alors on essaiera quand même du coup de monter un petit peu, genre les level 1, un truc du style si on peut. Donc toi, tu vas aller ici, on s'occupera de toi demain. Et ici, c'est monter level 4. Parfait. Donc on attend. Est-ce que je peux pas me servir une tasse de thé ou un truc du style? Tout ça c'est pas prêt. Ah là, il y a un pichet. Je vais me faire un verre d'eau. Voilà, comme ça avec un verre d'eau je pourrais redormir, faire dormir une autre carte. Et bon, il est déjà quasiment midi, hein. Enfin pour l'instant c'est le matin, mais midi approche. Alors est-ce qu'avec ce souvenir je pourrais monter quelque chose? Forge. Je pourrais monter... Parce qu'en forge on n'est pas hyper fort encore, lanterne... Ouais, forge, ça serait bien de monter un truc level de forge. Genre ça. Ah, il faudrait que j'utilise chape par contre. Ça fait chier. Et celui-là... Forge et lanterne. Tac, tac. Ça va pas dedans. Ouais, je peux utiliser Whis pour celui-là. Une leçon. On verra à la fin. On verra à la fin. J'aimerais bien voir aussi est-ce que je peux monter un niveau d'une compétence à la con, tiens, juste une petite compétence. Uranoscopie. Un truc que j'ai pas à tune. Ça, je l'ai pas à tune. Comme ça, on y va vraiment sur un truc. On utilise juste la leçon. On utilise notre souvenir de clous de nuages disponibles. Compliqué. Ah, ça y est, on a tous nos trucs qui sont générés. Alors. Là, on n'est pas encore reposé. Et donc, normalement, on a ce qu'il faut pour pouvoir monter celui-là de au moins un niveau, si ce n'est deux, dans 7 secondes. Allez. Ok, donc, on fait le point, on met. La leçon, ça, ça, ça. Il nous en reste 2. Prochain, il nous en faudra 4, donc il nous faut 2 autres souvenirs. C'est parti. Il faut qu'on régénère 2 souvenirs. Niveau carte, on va avoir assez, surtout qu'on est en train de se reposer. On va avoir assez. On va avoir assez, on va avoir assez. Il nous faut 2 souvenirs de type knock ou scale, c'est ça. Hein. T'es où? T'es là. Knock ou scale? Scale, insight. Il n'est pas actif, donc je peux le faire. Il faudrait qu'on le lise avec toi. Edge, non. Pattern, on l'a déjà. Lanterne. Earth and Sky. Bah ça c'est le même. Moon, Rose Sky, Knock, Stolen Secret, mais on l'a déjà. Ah, on peut régénérer un Fear, le classique de Fear. Et du coup, on en aura assez. Avec quoi on peut le lire? Else. Alors attention. Si je le lis avec Else... Si, je pourrais faire un Knock, donc je pourrais monter avec ça. Ok, donc je peux lire avec Else. Fear, c'est ça, ouais. Ok. Ok. Et donc, dans l'idéal, il faudrait qu'on repose... En plus, j'étais en train de reposer un Else, il faudrait qu'on repose un Forge. Alors, les 2 que j'ai de type Forge, ils sont à tune. Hein. Ouais. Celui-là, il a été committed et celui-là il a été committed. Grail, sinon ça pourrait être pas mal de monter le Grail. Hein. C'est aussi Lunoc. Mais on a RM qui fait du Grail. Par contre, ouais, il faudrait qu'on génère des souvenirs de fou, quoi. Non, on va monter ça parce que ça va nous permettre d'utiliser notre Foresight. De toute façon, sinon, c'est genre monter ça. Ou ça. En lanterne. Et en lanterne, on est beaucoup trop... On est beaucoup trop bas. Et en plus, on n'a pas de skill pour... Ok. Il y a les midis. On a bientôt reposé ça. Donc, on a récupéré ça. On va reposer un forge, on a dit. Donc toi... Avec un petit verre d'eau, c'est parti. Une 30, ça devrait suffire. Ça devrait passer, normalement. Alors, là, on a notre Horn on Ivory level 4. Et d'ailleurs, vu que je l'ai monté level 4, lui... Je vais pouvoir le mettre, normalement, dans Scolécosophie. Et ça va me débloquer un shaft direct, c'est parti. Ça va me faire un truc de plus. Autant s'en servir. Puisqu'il est directement utilisable. Donc on va générer un souvenir de type forge. De type forge ou... Sky. Lanterne... Il y a la storm qui ferait le taf. Il faudrait qu'on le lise avec Ereb, donc c'est parti Ereb, lis-nous ça. Normalement, j'ai pas trop mal compté. Normalement. Surtout que quand on va monter celui-là, on va pouvoir se débloquer un autre skill. Les souvenirs, c'est maintenant. Et donc toi, hop, on te met là, on met ça, on met ça, on met ça, on met l'autre qui est planqué. On met une leçon et on met un effort comme ça. C'est parti, on monte level 5. Et en plus, en montant Horn on Memory, là, ça nous permettra peut-être d'aller dans la forêt chercher des objets un petit peu plus forts, là. Ici, là. On a besoin de scale et on va se balader dans la forêt, donc avec un peu de bol, avec le truc qui nous permet de connaître la nature, ça marchera mieux. Il y a vraiment la brume partout, quoi. Alors, excusez-moi, Hermès, tu fais quoi? Tu manges pas les prises. Tu sais que tu manges pas les prises. Ça pour avoir un câlin, je vous jure. Alors. Chobiti a vu le chat ou pas encore? Oui, elle a vu le chat. Alors, elle est à côté en train de hurler que c'est trop nul parce qu'on peut pas le caresser. Donc, elle a vu le chat. Je confirme. Tac, tac. Du coup, là, on a débloqué un forge. On peut mettre une leçon. Et monter ça. Et là, on va pouvoir mettre notre level 5. Du coup, ici. Et on débloque un shaft aussi. Écoutez, allons-y. Hop. Et donc, on a débloqué cet emplacement-là. Si on arrive à trouver un skill level 7, on pourrait le monter directement là. Ok, on est pas mal. La nuit arrive tranquillement. Il nous reste 2 leçons et 2 souvenirs, enfin 2 aspects, et 0 souvenir. Comment on va faire pour utiliser ça? ou remonter un truc en utilisant un truc level 1, en utilisant la leçon et le souvenir, mais ça fait chier de cramer ça. Il faudrait qu'on génère un autre souvenir pour pouvoir monter une leçon level 2. Ça, on sait qu'avec le livre qu'on a eu, ça pourrait monter. Et ça serait intéressant éventuellement de monter du Grail. On est en train de reposer Metal, je crois. Il est où? Il est là. Ouais, on est en train de reposer Metal, qui est de type Forge et Edge. Ouais. Dans ta chambre. Le chat est dans ma chambre, ouais, il est au pied de mon lit, là. Il est content. Il est content. On peut le mettre sur le... Mais il fait rond quand on le sélectionne. Alors, reprenons le cerveau. Ça c'est de la committed. C'est de là. Si celui-là est committed, celui-là est pas committed. Mais ouais, générer autant de souvenirs. Du coup on n'a pas eu besoin du metal vu qu'on a débloqué des chaptes, donc le metal il va être reposé pour, pas pour rien, mais on va pouvoir l'utiliser pour autre chose. Donc on pourra générer un souvenir avec. On peut générer en gros deux souvenirs. Deux souvenirs et monter un truc de type forge, knock, heart ou nectar. On pourrait monter ça. Est-ce qu'on aurait quelque chose de facilement atteignable? Si on voulait aller là, il nous faudrait de l'auromaquisterie. Ce serait pas mal un peu d'auromaquisterie. Et c'est juste un truc level 3, donc ça voudrait dire monter un truc de 2 levels. Et vu qu'on peut faire 2 souvenirs, c'est plutôt pas mal. Et toi, je crois que... Non, toi t'étais déjà à Tune. Alors est-ce qu'on a des choses de type auromaquisterie qui sont acceptables? Ink of Power. C'est du rose et du scale. Et on a Else qui est en scale, donc on utiliserait Shapt pour un souvenir, et Metal pour un souvenir. En plus je pense que c'est pas mal de le monter, Ink of Power. L'encre avec laquelle les histoires sont écrites. Enfin, on pourrait sûrement crafter des trucs intéressants avec ça. On va le monter. On va le monter, donc il nous faut deux souvenirs de type rose ou scale. C'est parti. Confounding Parable. Confounding Parable, nous dit Chobiti. Alors, je crois qu'il est par là. Voilà, Confounding Parable. Donc, il faut qu'on le lise avec Shapt. C'est-à-dire pas ici. Je crois qu'au-dessus, ça marche avec Shapt. Non plus. Ah mais non, mais c'est le même. Voilà, là, ça marche. Je vérifie que je ne me suis pas planté. C'est de type scale, donc il faut qu'on garde notre health. Ok, c'est parti. Donc ça veut dire que dès que lui, il s'est reposé dans 20 secondes, on le lance à générer un souvenir. Ça va durer 60 secondes. On va être au taquet du taquet. Hein. T'as dit qu'il te fallait deux souvenirs. Bah oui, je suis en train d'en faire un. Le suivant, il va se faire dès que ce truc-là est reposé. Hop, repose. Et t'as dit intuition? Oui. Alors... Fear, ça passerait. Hein. Scale, ouais, on va prendre Fear. Alors il faut qu'on puisse le lire dans un endroit de type Edge. Ce bureau-là est de type Edge, je crois. Ouais. C'est parti. Fear... Edge et Scale, c'est ça. On le met là. On le lie avec ça. Ça va prendre 60 secondes. Il fait pas encore nuit, donc on mettra une leçon à dormir, mais pour le moment, il fait pas encore nuit. C'est le seul moyen de protéger les leçons de la fin de Nouma, c'est de les mettre dans un lit. Ou éventuellement, a priori, il y a d'autres trucs où on peut les planquer pour la nuit et ça les garde, mais j'ai pas trouvé encore. Donc là... On a monté... Ah oui, on a monté ça. Comme ça, on a un forge level 4, ça pourra servir. Maintenant, il faut faire les souvenirs. Ah, c'est tambour battant, Nouma, hein. Waouh. Allez, 5. Bon, de toute façon, il faudra attendre celui-là, mais... Il va faire nuit. La journée approche. Ok, on a terminé 1. Il fait pas encore nuit. On est plutôt bien, je pense, niveau timing. Parce que ça va largement se terminer. Et une fois que c'est en train de travailler, on n'a plus de soucis. Ok, il fait nuit. On va aller mettre un des souvenirs au lit. Voilà. Et ça, ça nous en fera un demain pour monter n'importe quel skill. Ah oui, c'est bon, il est là. Le Wawa, il est toujours en train de dormir, là. Tranquille. Dans la brume. Il n'a pas honte? Oh, Wawa, il n'a même pas le droit de dormir dedans. Non, il dort dans la brume. Ouais, alors, on voulait monter quoi? On voulait monter... Ah, mais hurle pas dessus, c'est bon. Toc, toc, toc. Voilà. Il a l'air malheureux pour toi, là? Oui. Non, regarde, il est loyal, il fait dodo. Brume. Tellement, il t'a fait tellement dodo qu'il fait même pas wash quand je le sélectionne. Bah t'as pas essayé de le bouger, peut-être que si t'étais... Alors... Bon bah c'est bon pour Numa. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on a reçu notre colis. J'ai à manger. Une petite odeur de fumée. Qu'est-ce qu'on avait pris? Je sais même plus. Du thé, non? Je sais plus si c'était du thé ou du chocolat, ouais. Mais un truc du genre. Bon bah demain on va pouvoir s'attaquer à nos livres du coup. Ok, on a un petit Ink of Power level 3, ça fait plaisir. Et du coup on va pouvoir le mettre ici. Alors je vérifie, c'est bien. Romakistri, c'est ça, et si on arrive à aller là, on pourra débloquer le Birdsong, ouais, c'est pas hyper gênant, mais... Ah, un métal, ça c'est bien ça, go. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce métal? Ça, ça demande rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Si, on peut lancer la génération d'un souvenir pour que ça se termine. Bon, de toute façon, il sera fatigué. Donc, dans tous les cas, il sera fatigué. Donc, on s'est perdu pour cette fois. C'est pas grave. Hop. Il nous servira demain. À tes souhaits, Chobiti. Allez, on termine Nouma. Et on arrête l'épisode de VOD. Alors, tous nos souvenirs disparaissent. Un trou ici, mais c'est le colis, ouais, c'est le colis. Et donc normalement, Nouma devrait disparaître aussi. Oui, ça disparaît quand c'est... Voilà. Hop là. Et on est l'été. Oh. Et alors, qu'est-ce qu'on avait pris? Du thé. Ok, un petit thé. On va le ranger là. Hop. T'as vu, t'as un cochon qui pend. J'ai un cochon qui pend. Là, oui. J'ai un cochon qui pend, oui, certes. Et du coup, on va avoir un petit peu de nouvelles de l'infestation de verre, là, du mec. Hop, on va ranger ça. Et donc, comme promis, on va arrêter l'épisode de VOD là. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, c'est le moment. Je bois un petit coup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!